Bonjour à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 14 de Bully. Ça fait déjà plus de 2 semaines, je crois que j'ai pas fait d'épisode. Donc aujourd'hui, ce que je vous propose, ça sera un long et grand épisode. C'est pour ça que d'ailleurs, on me voit pas à la caméra. Parce que je pense que de toute manière, ma batterie de caméra tient à peu près 40 minutes. Et je pense faire peut-être un épisode d'une heure, voire même 1 heure et demie. Histoire qu'on avance bien ensemble. Et vu qu'en ce moment, je vous fais pas mal de vidéos sur d'autres jeux, autant faire une longue vidéo. L'appât, ok, il y avait l'appât, je crois qu'il y avait le cours de biologie à faire. Oui, c'est vrai que dernièrement, là, j'ai pas eu le temps de vous faire de bully, parce qu'il y avait pas mal de jeux que je voulais vous présenter, découvrir avec vous. Donc c'est pour ça aujourd'hui, je me suis dit, bon, on va faire une longue vidéo, comme ça me permet de vraiment me plonger dedans pendant pas mal de temps. D'ailleurs, le son de mon casque est encore une fois très fort. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, on fait l'appât ou on va faire le cours de biologie, même si je sais plus trop ce que ça nous apporte. On va faire ça. Donc c'est vrai que la vidéo risque sûrement d'être longue. Je sais que certaines personnes ne seront pas forcément contentes et aiment pas trop les vidéos longues. Mais il vous suffira juste de la regarder en plusieurs fois. Vous regardez, je sais pas, 15 minutes aujourd'hui, 15 minutes demain. Et au final, ça reviendra presque quand même que si on avait plusieurs dans la semaine. Alors, encore un autre bonhomme avec un chapeau. Attendez, j'ai pas arrivé. Ils ont tous des chapeaux en ce moment. On va aller faire... Donc là, normalement... Oui, c'est cours de biologie, je me souvenais. Je me souvenais du cours de biologie. Après, je crois qu'on avait dit qu'on allait faire une petite mission. Et on va faire ça. Je pense que l'hiver risque de bientôt être terminé également. Et après, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? Je sais plus trop. Vu que ça fait déjà plus de 2 semaines, je crois que je vous avais fait l'autre vidéo. J'avais lu vos commentaires comme d'habitude. Mais c'est vrai que là, je me rappelle plus trop s'il y avait des suggestions que vous aviez apportées. Bon. Normalement, plus les cours évoluent, plus ça devient compliqué, plus ça devient dur. Donc là, normalement, ça va se compliquer. Alors, déplacer, sélectionner, trouver, maintenir, d'accord, ralentir le curseur, ça va être important, je pense. Donc, let's go. Alors, utiliser, enfin, j'ai pas lu, utiliser des épingles pour maintenir. Ah oui, mince, mince, mince. Bon, ça y est, là, j'ai déjà perdu tellement de temps. Hop. Ça risque d'être juste. Rien que le fait d'avoir perdu 3 secondes au début. Allez! Alors, qu'est-ce qu'utiliser? Utiliser la loupe pour trouver l'œil. Alors, ça, c'est l'œil. Le scalpel, vite le scalpel, le scalpel. Donc là, on va tenter de rattraper le temps qu'on a. Ah, oh, punaise. Le temps qu'on a perdu tout à l'heure. Allez, go, 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 go. Oui. Allez, celui-là. Yeah! Maintenant, la pince. Allez, je pense que c'est la pince. J'ai pas lu en bas, mais je pense que ça doit être ça. Let's go. Maintenant, utilisez le scalpel pour inciser la peau. Ok, tout de même, on voit les traits lorsqu'il y a ça. Hop, en ligne droite, ça. Remember, slow and steady wins the race. Non, je veux pas y aller doucement. Allez, Hopkins. Non, pas Hopkins non plus. Allez, vilain le poisson. La pince, vite, 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 la pince. Allez. Surtout les musiques qui sont... Utiliser la loupe pour trouver les bronchies. Je pense que c'est ça, vu que c'est le truc le plus détaillé qu'on voyait sur le poisson. Donc les autres éléments sont pas très... Oh! 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 Non! J'étais super vite, qu'est-ce que tu dis? Yeah. Allez, 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 vite, vite, vite. Vite, 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 vite. Le temps est compté, monsieur. Quoi? Oh non, j'ai perdu du temps. En plus, c'est assez lent. Allez, hop. Utiliser la loupe pour trouver le foie. Donc regardez, le seul truc qui est détaillé, c'est ça, donc c'est forcément ceci. Parce que le reste est pas très... pas très bien. Allez, oh, punaise. C'est pas très sensible, pas sensible, mais précis, je veux dire. Regardez comment j'ai du mal. On va ralentir le mouvement. Je crois que c'était ce qu'il fallait faire, en fait. Depuis le début, ça aurait été plus simple. Allez, à chaque fois, ça joue à 1 seconde près quand on perd, en plus. L'estomac. Allez, hop. Hop, 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 hop. J'aurais dû faire de la biologie. Biologiste. Comme ça, j'aurais disséqué votre cadavre lorsque vous seriez mort intoxiqué par les bonbons hamburger. Quoi? Mince, vite. Arrête de dire des bêtises. Go, 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 go. 27 secondes. Oh, punaise! Oh là là! Excellent travail! Ah, il nous en reste encore 2 cours. Ok. Bien joué, Jimmy. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la mission et après on verra les autres cours. Casquette de pêche débloquée. Oui, mais je m'en fous des casquettes de pêche. Allez, on va faire un petit peu de vis.
Et on va aller faire... C'est vrai que j'aimerais bien faire du cours de sport et d'autres choses comme ça. Et on verra bien... Ah mince, je voulais me faire un café pour... Bon, c'est pas grave, je regarde en même temps à quelle heure j'ai commencé. Ok, ça va, il nous reste largement le temps. Donc c'est quoi? L'appât, on va faire l'appât. Si on trouve un vélo, on l'utilisera. Faut que j'essaye de parler plus lentement aussi, parce que j'ai l'habitude d'être super speed quand je fais des vidéos. À parler tout le temps rapidement. On prend le raccourci ou pas? Je sais jamais, non, c'est pas ce côté-là le raccourci. Non, c'est à chaque fois que je me fais avoir. Faut que je parle doucement et que je respire profondément. Donc c'est des petites vidéos comme ça. Attends, je vous explique aussi mes problèmes lorsque je fais des vidéos. C'est que je suis vite à court de souffle. Et... Enfin non, je suis pas vraiment à court de souffle, mais c'est surtout que je parle trop vite. Ah bah non, c'est pas la peine, là, pas, c'est juste sous le pont. D'après mes souvenirs, je crois qu'il y avait un petit symbole sous le pont. Ah, il était exactement là. Ouf, là, j'allais vite, là. Ok. Je crois que c'était un vaisseau spatial. Let's go. Je vais boire un petit coup. J'ai pas de café, mais j'ai autre chose. What's this gourd kid got that I ain't got? Ah oui, c'est vrai que sa copine le trompait. You think it's funny, don't you? You think I'm a joke? Well, my little friend, I'm the king around here. Me! I know. You're the king. But my queen is a slut, and now everybody's laughing at me. Well, not anymore. I'm not laughing. Good. Good, kid. You and me, we're gonna teach young Gord to keep his dirty paws off my woman. My queen. Get him to the abandoned building in New Coventry behind Union Hall. I'll be waiting there to school that little weasel. I'll be there. Okay. On va faire un petit piège. Chercher Gord. The Birds World Storm. Oh yeah. Sympa, en plus ils ont mis un petit vélo. Par contre, je crois que je risque. Ah ouais, ça y est, je suis poursuivi. Non, c'est bon, ça n'a pas été long. Il faut que je fasse quoi? Poursuivre, c'est ça? Je me rappelle plus. Provoquer. Donc provoquer. Ah oui, provoquer avec des œufs. Par contre, comment on zoom? Comment on vise déjà? Non, non, pas lui. Il a rien fait, arrête. Arrête, Billy. Et il lance. Non. Vilain. Tiens, je pouvais pas mieux le provoquer. Et maintenant, on l'amène dans notre piège. J'espère qu'il me suit. Ah, je suis chronométré. Mince, vous avez su. Oh, il est trop lent. Espèce d'andouille. Ah non, c'est bon. Allez, reviens. Viens avec moi, on va aller doucement pour toi. Parce que t'as l'air d'avoir un petit peu de mal. Va-t'en, toi. Et c'était quoi le cours que je suis en train de manquer? Musique, mais non, je suis en train de manquer. Aïe, ouf, les enfoirés. Je suis en train de manquer le cours de musique. C'est bon. Oh non, je suis bloqué, je suis bloqué. Pousse-toi, toi, je suis bloqué. Viens le vélo. Tu es rentré dans mon piège, tu n'en sortiras pas bien. Oh, punaise, je me rappelais pas. Ah si, cette zone. Cousins are legal. Oh, you and Lola. Yeah, my woman. Now you pay. Now you pay. Du-du-du. Aidez Johnny à taber. Hey! Vous voulez jouer à ça? Est-ce que j'ai mon lance-roquette? J'ai pas mon lance-roquette? Ah si, j'ai mon lance-roquette. Alors, mais, attendez, pourquoi il a enlevé? Mais, ah! Mais, attendez, pourquoi ça? Tiens. J'ai dit. Tiens, je crois que c'est pas assez rapide ça. Faut mieux que je prenne. Mais, j'ai un problème avec. Ça change tout seul d'arme. Mais c'est... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais là, je l'ai pas beaucoup aidé. Hein. Tiens, comme ça, ça sera plus fort. On va tous les faire tomber de leur vélo. Mais je comprends pas pourquoi ça a changé d'arme tout seul. Mais il veut pas tomber, lui. C'est... Ah, ça doit être le boss. Donne-moi la boisson, parce que là, j'étais presque KO. C'est bon, on les a tous eu. Ah non, il reste lui. Faut que je vois, c'est quoi ce problème? Pourquoi ça a changé automatiquement de... Le curseur. Je crois qu'on aura normalement le jetpack. Non, j'allais dire le jetpack en plus. Le skatepark. Je crois qu'on va avoir le skatepark avec nous. Yeah. Est-ce qu'il y a un petit VTT? On va faire quelques figures pendant qu'on est là. Wouhou! Oh, vous avez vu ça? J'ai roulé sur le mur carrément. Yeah. Non, celui-là il tourne pas très bien. Pourquoi ils ont coupé ma musique? Oh, ah, j'ai une autre musique maintenant ici. Wouhou. Ça, ça me fait penser à au premier Tony Hawk auquel j'avais joué. D'ailleurs, c'était la démo que j'avais, je me rappelle, quand j'étais plus petit sur PlayStation 1. Et je jouais tout le temps la démo. Je crois qu'on avait un temps limité, genre 5 minutes, un truc comme ça. Ok, je peux pas rouler sur les rebords.
C'était genre 5 minutes et je faisais que de jouer à cette démo. Moi j'étais petit, je sais plus, je devais avoir 10 ans peut-être. Ce qui remonte à loin maintenant. Sois périlleux. Non, ce vélo il est tout moisi. C'est quoi cette musique? On l'avait jamais entendue. Ah non, mais. C'est pas la peine. Youpi! Est-ce que je peux sortir comme ça? Yeah! Parfait! Et cours de musique, je pense qu'il sera trop tard. C'est dommage, j'aurais bien aimé le faire. Ah mais non, mais qu'est-ce que je dis? Bien aimé faire le cours de musique, on aura tout entendu. C'est le truc où il faut que... Attendez, là j'ai des ralentissements. Est-ce le jeu ou est-ce mon ordi? Je crois que c'est le jeu. Eh, d'accord, il a piqué mon vélo. Donc ici on a les courses, on avait... j'avais trouvé ça sympa dans l'autre parcelle de... Parcelle! Je vais y arriver. On fera peut-être une fois qu'on aura plus grand chose à faire. Le cours, est-ce quelle heure il est? Ah, ça se finit à 15h30 encore une fois si je me souviens bien, donc c'est pas la peine. Petite pomme. Mais en fait c'est le jeu qui avait des ralentissements encore assez du mauvais côté de la ville. Bon, redonne-moi mon vélo alors. En plus il le vole mais il va pas super vite hein. Je sais plus ce que je disais. Ici il fait plus très beau. À chaque fois ici il y a le bug du jour nu. Oui c'est le jeu qui avait des ralentissements et c'était pas mon ordinateur. Il était là le raccourci. Puisque comme je l'ai dit encore une fois, le jeu n'est pas très fluide. Ça je vous l'ai déjà dit, je le dis dans chaque vidéo. Ah putain, hey oh, il est classe ton vélo, c'est un vélo magique. Il reste debout, donne-moi le vélo magique. Je veux le vélo magique. Oh punaise. Du mauvais côté, tag, voleur de BD. Hein, voleur de BD, ça fait 5 ans qu'on l'a de disponible. On va faire celui-ci, c'est quoi? Ah mince, non, reviens. Oh, non, reviens, reviens. La maison de verre, je sais pas ce que c'est. On va se faire ça. Le couvre-feu débute à 23h et dure jusqu'à ce que. I need help. Oh, j'avais même pas vu qu'il y avait quelqu'un devant moi. Ça doit être à cet étage là. Et c'est le cours de English. Bon, ils ont pas intérêt de me faire un cours d'anglais. Parce que sinon, bah, je coupe la vidéo. Hein. La maison de verre, qu'est-ce que ça va être ça? D'accord, maison de verre. Ah, Hopkins. Very well, young squire. Huh? How are you, young man? Can I offer you a highball? Yeah, sure. Actually, maybe you're a little young. Better keep this out of harm's way. À l'abri dans lui, ok. Il avait soif, le monsieur. All right, sir? It's that pompous ass Patrick. He's bad-mouthing me all around the staff room. Why? He keeps calling me a drunk. Says that I am étonnant. Irresponsible. He's trying to get me fired. He's trying to turn Miss Phillips against me. Well, sir, when people say bad things about what I do, I like to prove them wrong. Really? How? By showing a nobler side of yourself? Rising above it? No, not exactly. I like to show that they massively underestimated the force that they were dealing with. And then really give them something to complain about. Ah, the treacherous Machiavel, I love it. Good, me too. Let's go. Ok. On va s'en prendre à l'autre professeur. Allez, dans le parking de l'école. Je savais même pas qu'il y avait un parking dans l'école. Ils sont tous habillés en vert. Ah bah oui, c'est la tenue, je crois, de l'école aussi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sur le parking? Je vois pas où il est. Oh, ça doit être à l'entrée. Ah non, c'est là où il y a la caravane, je crois. Le bus. Ah, le bus, courir. Ah, il fait déjà nuit. Ah, il y a mon vélo magique. C'est mon vélo magique. Il est même pas parti tellement qu'il est magique. Yeah. Alors, le parking. Qu'est-ce qu'on va faire? Attendez. Ah, d'accord, ok, j'ai compris. Attends-moi. Il faut que j'appuie sur quelle touche déjà? Attends, je vais plus vite que toi. Attends. Oh punaise, sous la neige c'est pas évident. Je crois que c'est triangle, c'est ça? Y pardon. Heureusement que c'est pas une fusée. Mais je pense qu'on avait un petit délai. Une fois qu'elle sera sortie de cette zone, la voiture va accélérer. Je sais pas s'il faut que je maintienne appuyé ou si je lâche, il s'en va. Dans tous les cas, si on n'était pas accroché, je pense qu'on aurait pu quand même le suivre en skate hein. Peut-être pas maintenant. Il fait déjà nuit. Ça fait une petite promenade de la ville. Hein? Il est bourré. Pourquoi il s'arrête comme ça? Ah! Punaise.
Il roule lentement dans les lignes droites, mais lorsqu'il y a des virages, il va à fond. Burger. J'aimerais bien un petit burger. Donne-moi un burger. Avec un café. J'aimerais un burger et un café. À gauche. Faut que je suive, mais après, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous plaît toujours de cette petite aventure qu'on fait ensemble. C'est sûr, si j'avais un petit peu plus de temps, j'essaierai de vous proposer un petit peu plus de vidéos du Let's Play. On verra comment ça se passera pour les prochains Let's Play. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est... Ok. Il y a une grande maison. C'est un manoir. Il est écrit manoir. C'est écrit quoi? Ah bah Atric, c'était son nom. Entrez dans la propriété de Monsieur Atric Manoir. Détruisez tout ce que vous pouvez de la... Ok. Détruisez les objets comme les plantes en pot ou des fenêtres. Ok. Bon. Tiens, Vilalpo. Vilalpo. On va faire une blague pas drôle parce que je suis obligé d'avoir un quota de blagues pas drôles dans les vidéos. Il y a vraiment pas de pot. Tiens, un coup de tête dans le pot. C'est des pots lumineux ou quoi? Ouais, dans Minecraft, je les éteins, il fait de plus en plus nuit. Je vais prévenir la police. Je vais prévenir la police parce que je vois rien dans le jardin. Avec les gyrophares, j'aurais peut-être un petit peu mieux. Ok, on va peut-être à la maison de verre, on va casser ça. Alors, cette fois-ci, ouais, le pétard, je pense que c'est parfait. Tiens. D'accord, ça a l'air d'être. Je pense que ça va bien faire augmenter le niveau. Bon, avec le rose-pierre, ça ira plus vite. Hein. Impôts, j'ai pas lu ce qu'il y avait décrit. Je lirai encore parce que souvent il y a des petits trucs assez drôles quand même. Ah, je crois qu'il engueule la police justement. Tiens, ça c'est du sniper. Ah, parfait. Ah, ça, je crois qu'ils sont arrivés. Faut juste que je ne me fasse pas repérer. Mais on arrive bientôt au quota. Faut que je regarde sur la. Ça, je peux le casser ça? Ouais, ça je peux le casser, parfait. Et encore un tout petit peu. Il y en a un qui arrive devant moi. C'est bon. Quitter le jardin. Ah, j'aurais peut-être pu rentrer. Quitter le jardin, faut pas que je me fasse repérer. Si je me mets là, c'est bon. En fait, là je vois rien du tout. C'est surtout par rapport au radar que je me repère. Ah, c'est bon, let's go. Oh punaise, lui il a un champ de vision super baleine. Normalement, il est juste au-dessus, je crois. Ouais. Allez, go, 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 maintenant. Même si je me fais repérer, du moment où je sors, c'est bon, il y a mon vélo magique, non? Yeah! Ah bah non, j'étais venu en skate! On a pas de vélo magique, moi! Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'il fait, lui? Hey! Il est sympa ton mur invisible! Moi aussi, je veux faire! Je veux faire le mur invisible! Ah oui, en plus, il y a un mur invisible! Je compatis à ta douleur, petit Bobby! Ah, le petit chemin avec le vélo, ça serait mieux. Et je crois que normalement, là, on va pouvoir rejoindre... Oula. On va pouvoir rejoindre notre maison par ici. Oh, mais c'est un... Ah, mais arrête le skateboard! Qu'on aille sauvegarder un petit moment. Un petit... Qu'on aille sauvegarder tout court. Ou alors, on fait notre mission. Il est quelle heure? Du mauvais côté de la ville. C'est laquelle la plus proche? Je sais pas. On va passer par là. Aïe, j'ai un truc dans l'œil. Je crois que j'avais jamais pris la route toute simple comme ça. Et là, il y a le phare, on va couper. Wouhou! Oula! Wouhou dans le bug! Ok. On va juste faire un petit truc, j'ai envie de rigoler. J'adore le frisbee. Qu'est-ce qu'ils font? Il est tout petit le monsieur. Ok, je l'ai raté. Il est tellement petit que c'est passé au-dessus de sa tête. Donc allons voir laquelle mission pourrait être palpitante. Attends-moi, nom de Dieu. Ah, j'y crois pas. Là, il y a plein de missions, c'est incroyable. C'est juste que j'ai peur que la saison change et du coup, on peut pas les faire. La carte, c'est quelle touche la carte? Je suis ici. Comment on fait? On va zoomer. Je pense qu'on va aller à celle qui est en haut, à côté du trophée. Après, on ira se coucher. Et une nouvelle journée commencera.
Ça, je vais assez vite. Presque aussi vite qu'en vélo des fois. C'est juste que c'est... Ça glisse énormément. Je me demande si on peut s'accrocher derrière les vélos, je pense pas. Ça pourrait être à essayer. Pardon. Alors... Où est-ce donc... Oh punaise. Non, je veux pas t'aider. Il aurait fallu ce vélo pour le skatepark. Monsieur le Père Noël, on a déjà fait assez de missions avec toi. Ici, ça doit être... oui, le voleur de BD, je pensais. J'étais sûr que ça allait être ça, puisque c'est notre... c'est notre autre maison dans laquelle je vais jamais, en fait. On va jamais dedans. Oula. Hey, you little thief! My asthma. Il vient juste de sortir du magasin. Il a juste couru 2 mètres. I just got robbed by a dorky kid and I'm having an asthma attack. Of course I'm not okay. Hey, I'll tell you what. I'll give you $5 and some comics if you help me get my stuff back from that punk. You got a deal. Il fait penser à, dans les Simpsons, le vendeur de BD attrapé à le vendeur avant qu'il... Oh punaise. D'accord, il rigole pas avant qu'il n'atteigne les... Allez, fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour, fais demi-tour. Je pense qu'on va recommencer pas mal de fois. C'est... Eh non, mais... Je vais lui balancer des yeux, hein. Plutôt que lui faire... Mais pourquoi tu... Pourquoi Jimmy... Mais arrête. J'arrête de le loquer. Mais je vois plus rien, je sais pas où il est. Oh punaise. Ça va me gonfler. Ah bah oui, mais c'est normal en même temps. J'étais en train de loquer, on sait pas pourquoi, il change de personnage tout seul. Bon bah on va recommencer, mais il va être trop tard. Je comprends pas, j'étais en train de le viser et j'ai pas bougé le pad. Donc normalement quand on bouge pas le pad, ça vise toujours le même. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui pourrait être mieux? Bah je vais balancer la même chose que lui. Non! Je peux plus faire la mission. C'est en douille. Bah je vais en faire une autre, enfin... Mais... Mais qu'est-ce qu'il a le vélo? Pourquoi il s'est retourné tout seul? C'est juste un... je vais le récupérer. Oh, je peux pas. Oh, de Dieu. J'ai pas compris. Le vélo, il s'est pris juste le bout de trottoir et il s'est retourné tout seul. C'était un vélo maudit, c'était pas le vélo magique. Oh, il y a un rat. Regardez le rat. Qu'est-ce qu'il fait? On dirait qu'il fait du vélo, il glisse quand même. Non, c'est bon, mec. On m'amène ici et après le policier m'amène là et je me fais encore courir après. Et l'autre il est toujours à la fenêtre en train de lancer des œufs. C'est pas logique ça, je comprends pas, je visais le mec et ça m'en a mis un autre. C'est. Enfin, c'est pas très sympa de leur part. On va d'abord faire dodo et après on sauvegarde. Fouh. J'aurais vraiment dû me faire un. Café. Je vais aller sauvegarder et après on va attaquer soit les cours, soit on refait la mission. Mais je sais pas si la mission c'est le jour aussi. Lequel je vais faire 29-40 et ça nous fait combien? 30%. Ok. L'autre il y va en pyjama et tout. Il va en pyjama rayé. Ou alors, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a comme cours? Tag. Non, il n'y a pas encore, faut... Bon, on va faire ceux qui sont juste... Il est tout petit, lui. Il est tout petit, toi. Alors, les cours les plus proches. Ah, c'est sympa quand il fait jour. Je vois un petit peu mieux. Ça fait vraiment penser à Bart Simpson avec son skateboard. Wouhou! Oh! Et là, c'est quoi? C'est Tag? Non, du mauvais côté de la ville. Bon, ben on va le faire puisque ça fait 50 fois qu'on le voit d'indiquer. Ça serait bien que je le réussisse quand même. Amigo! I need your help! Amigo! Amigo? Johnny and his goons were hassling me about algae. That guy's gone even crazier. He thinks algae is trying to put the moves on his girl. Algae? And Lola? I know! It's crazy! Everyone knows Algie likes blondes. Listen, find Algie and get him back here until Johnny comes to his senses. Where is he? I don't know. I know he was working on a math project for Hattrick with Cornelius. Maybe he knows where Algie is. Who? Cornelius. You know,
The scrawny kid in the acting club? He did an amazing Juliet in the school play. I think he has a 4.0 grade point average. Ok, pas tout compris. Il a pas tout compris. On va essayer de faire ce qu'il a dit. Alors, ok. On sait où chez lui. Finesse. Les moindres petits rebords, ça fait tout de suite tourner mon skateboard quand même. Ah mais c'est juste là. Ok. Punaise. Ok. Help me! Tiens. Headshot! Oh punaise, il l'a carrément porté. Allez. Tiens. Je vais le choper. Comment on l'attrape déjà? Et le bouquet final. Ah, tu veux pas le bouquet final? Oh, j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à le faire tomber. Yeah. Hey, I was lying when I told Johnny that Algy is at the pizza parlor. You gotta go help him. D'accord. Dans le. Ok, ok, on va faire ça. Bah, c'est quoi le cours que je manque? Ah, je crois que c'est on l'a jamais fait. Bon bah désolé, je peux pas venir t'aider. Venir le faire plutôt. Parce qu'il faut que j'aille sauver mon cher compatriote. Let's go. Let's go. Pour une fois que j'avais un cours différent, je peux même pas le faire. Tant pis. Tant pis. Oui. Eh. J'ai dit. Ah, ok, je peux pas. On va tenter de s'accrocher derrière le vélo. Non, ça marche pas. Je voulais m'accrocher derrière la voiture, ça a pas fonctionné non plus. Enfin, je suis arrivé un petit peu trop vite. Alors, là, il y a pas de chemin ici, un petit chemin caché. Absentéisme. Je suis désolé, je voulais y aller. On a carrément attendu le train. Normalement, je crois sur le côté. Wouhou! Là, c'est cette zone qui. Waouh! Qui rame énormément. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que les bâtiments sont plus grands, j'en sais rien. Oh, le vélo, il était trop beau. J'espère que c'est celui qu'on va avoir. Après, je me rappelle plus. So, Chad, honey, listen, it's just $100. That's nothing to a man of your means. Oh, but Lola, I'd have to steal it off of my father. But Lola, I thought that me and you... Shut up, Fatso. Big boned, not fat. I thought you liked me. You said you did. I do. I really do. Some friend you turned out to be. You must think I'm really cheap. Just a cheap slut. Well, that's it. No, no, no. But Lola, wait. Smart ass. Ridiculous women. Oh. Look at you both. You're pathetic. But I thought she liked me. I don't believe this. You both better get over it. Oh, no. Listen, we gotta get out of here before Johnny Vincent sees you hanging out with his girlfriend. Why me? Algy, you take the girl's bike. Chad, oh, you better pedal for both of us. I got a feeling I'm headed for a fight. Oh. Let's go. But I was just helping Lola study, honestly. I'm so scared. What? Ok. Oh oh. Alors. Alors, qu'est-ce qu'ils vont me demander cette fois? Oh punaise! Ok. Oh mais là. Oh mais pourquoi t'as pas tiré? Ok, mais la jouabilité, je vais pas y arriver. Je vous le dis tout de suite. Oh! Ah, oh, je peux zoomer, non? Oh punaise, pourquoi? Ah, c'est injouable! Tiens! Oh, je me rappelais pas du. Pardon, monsieur! Pardon, encore pardon, monsieur! Je me rappelais pas du tout de cette mission, par contre! Allez! Oh, je vois rien! Oh, headshot! Headshot! Par contre, ils m'ont à tous les coups! Hein.
Allez, double. Non, pas double. Tiens, double. Ça fait beaucoup de vélo. Vous êtes où, les autres? Aïe. Ok, il s'est fait mal tout seul. Wouhou. Oh, comment il a... J'ai pas vu comment il était fixé sur le vélo de Jimmy, mais ça devait être... Ah, t'es plus fort. Ah ah. Oh, je l'ai eu. Ça va, ils sont sympas avec... On est pas obligé... Ouais, non, je peux pas récupérer comme ça. Ils sont sympas quand même parce que je les touche alors que je suis pas forcément totalement dessus. Comment il... Je vois pas. Je crois qu'il doit être sur les... Comment ça s'appelle déjà les pose-pieds, les repose-pieds arrière. Je sais que c'est un nom. Tu as ça sur les scooters, les motos et même sur les BMX. Comment ça s'appelle ce truc déjà? It's a trap. Chad, step on it. Yeah, ça va, c'est quand même marrant cette mission. Même si j'ai habité, j'ai déjà dit. Oh punaise, j'ai mis un headshot dans la tête. Pas top, c'est original, je trouve. Allez, tiens, adieu. Allez, je fais le sniper. Je fais le sniper. Ah, regardez là, vous avez bien vu, j'étais vraiment pas du tout dessus. Mais ils sont sympas. Ils devaient savoir que leur jouabilité était complètement moisie. Ce qui est sympa, c'est que ça nous fait faire un tour de la ville avec un autre champ de vision. Je crois qu'on s'est bien débrouillé, même si je voulais faire péter la station essence. Même si je crois que j'ai plus beaucoup de vie en haut à droite. Hein. Allez. Oh l'œuf! Ah non, je sais pas ce que c'est qu'il a lancé, je crois que c'est un pétard. Il a pété super. Oh, super haut. Va-t'en toi. Vilain monsieur. Vilain. C'est pas mal fait la physique du vélo qui tombe. Ah c'est bon, y'a plus personne. La musique s'est calmée, donc normalement on est tranquille. Ok. Allez bien. Faut que je t'amène où? Juste là, avec tes copains. Ils allaient le protéger avec une règle et tout. Ah, on s'est fait des nouveaux amis. Respect des blousons noirs. Donc ça, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais normalement, on voit l'influence des gens qui nous embêtent. Ah, je peux peut-être faire le cours de techno, quoi. L'influence au niveau des gens qui nous embêtent lorsqu'on se promène dans l'école, par exemple, ça peut être ici les blousons noirs qui pourront m'embêter, et si on est sympa avec eux, eh ben ils nous embêteront plus. Alors normalement. Bon, c'est pas grave, j'aurais pu le laisser m'y amener. Oh, qu'est-ce que je fais? Oh, le fou. Oh, j'ai fait le fou. Normalement, c'est juste là. Dites-moi que c'est là. Oh, mais là, c'est pas de ce côté. C'est où? C'est où l'entrée? Oh, si c'est le cours de techno, j'aimerais bien le faire. C'est pour avoir le vélo, je crois. C'est où l'entrée? Non. Non. Non, le dieu. Oh, non. Funaise, j'en ai marre. C'était pas ici, toute merde. Ça doit être mécanique pour le vélo, je pense plutôt. Oh, mais moi, j'en ai marre. À chaque fois, j'ai vraiment pas de chance. Bon, on va faire tag. Oh, tous les oiseaux. Punaise. Ce qu'on voit dans le film, les corbeaux. On va faire ça. Non, je veux pas t'aider. Ah, on a encore l'avion tout moisi là-haut. Vous allez pas le voir, je pense. Parce que là, la vidéo, je vais peut-être pas la mettre en 1080 vu que si elle dure plus d'une heure et demie. J'essaierai de vous la mettre en 720. Ah, ici, il y a notre... l'endroit où on a bien tendu la pelouse. Ah, il y a le monsieur le chien. Yo. Hé hé. Oh, punaise. Allez, on va faire ça. Tac. Qu'est-ce que ça va être? En tout cas, on aura fait pas mal de missions aujourd'hui. Ah bah, celui de gauche, c'est celui qu'on a aidé en vélo. It's you. Is that any way to greet your new boss, Harrington? Well, is it? No. No what? No, sir. That's better. At ease, girls. Listen, boss, those grease monkeys are making life very difficult for Gord. That's because Gord was showing one of their girlfriends a good time.
some leader you turned out to be. Father says leadership is about looking after those you lead. He taught me that right before he laid everyone off. So what do you want me to do? Send them a message all over their dirty little slum. Why should I? Because you're the boss. Exactly. I'm the boss, and I'll go send the message. J'ai l'impression que ça les arrange que ça soit nous qui allions faire ça. Je sais pas ce qu'ils ont avec les corbeaux, mais ils sont sauvages là. C'est des corbeaux sauvages. Alors, ok, let's go. J'ai l'impression de faire pas mal d'aller-retour aujourd'hui. Ok. Bon, on va essayer de prendre un vélo cette fois-ci. Oh, on a fait pas mal d'allers-retours, toujours aller là-bas, revenir à l'école. Ah, oh, punaise, elle m'a poussé. Ah, oh, punaise, ça y est, ça se contrôle plus. Il faudrait mon vélo magique. Un petit vélo magique. Je pense pas qu'il y en ait un ici. Souvent, il y en a quelques... Ah, attends, j'en ai vu un en vélo, je crois. Ah, parfait. Mais il a l'air cool. Normalement avec ça je peux faire des 360 sans problème. Oui, 360 sans problème. 360 vers la gauche, je le fais rarement. Je fais toujours des 360 vers la droite, je sais pas pourquoi. C'est parce qu'on doit avoir un côté fétiche. Oh, merci une dame. On doit avoir un côté fétiche. Tiens, prends ça dans ta tête. Faites votre tag en musique. Ça fait penser quand même à... On va peut-être attendre qu'il passe. Un petit peu à San Andreas. Alors, on va faire un petit tag. Alors, ok. D'accord. Allez, pourquoi ça va pas plus vite? Ok, c'est pas trop compliqué. Vous pouvez taguer toutes les... Toutes les façons de mes îles. Ok, une bombe de pain. Il y a mon vélo. J'y crois pas, on m'a piqué mon vélo. En plus, à chaque fois, il roule tout doucement avec. Mais pourquoi on vole mon vélo? C'est marrant, ces petites musiques. J'espère que vous avez pas, ça va pas faire bugger la vidéo. Il y a mon antivirus qui s'est mis à jour. Eh, mais c'est mon vélo à la base. Pourquoi il m'embête? C'est où je dois taguer? Ça doit être peut-être en haut. Bon, bah tiens, je te redonne ton vélo. Enfin, mon vélo. Enfin, que j'avais volé aussi. Ok, tu veux te battre? T'es sûr que tu veux te battre? Tu veux la bagarre? C'est la bagarre que tu veux? Putain, vilain la bagarre! Ya! Voilà! Allez, on va t'humilier pour la peine. T'as qu'à voler mon vélo plus vite. Maintenant, va-t'en. Oh, mince, maintenant j'en ai un autre. Faut que j'aille ici en plus. Pourquoi faut que j'aille là? Acheter des bombes de peinture. Bah oui, c'est un petit peu logique. C'est quoi ce monsieur qui est sorti? Alors, acheter des bombes de peinture. Mais en plus, il est encore là, il me fait peur. Ah mais c'est... J'avais pas vu son bonnet de Noël tout à l'heure. Alors bonjour, je voudrais des bonbonnes de peinture. Non, ça c'est quoi? Soda gloop. Les œufs de la bombe de peinture. Ok. J'ai tellement d'argent dans le jeu que je peux acheter plein de bombes de peinture. Je sais pas combien de bombes de peinture, avec une bombe de peinture, combien de tags on peut faire. Bon, mon vélo, je suppose qu'il est plus là. Hein. Avec la petite musique. C'est sympa, ça change. Au moins là il fait jour, c'est agréable. Là j'aime bien là, vous voyez, j'aime bien. Je suis pas chronométré, il y a mon vélo au milieu de la route. Parce qu'au milieu de la route ils me le prennent pas. Hein. Donc tagué, ok, ça a l'air d'être toujours le même schéma. Ok, ça sera toujours en... Ouais, il faudra peut-être que... Je sais pas s'il va me battre si je fais le tag. Ok, si. Punaise. Hé hey. Mais... Mais non, pas prendre une photo. Tu commences à me gonfler. Mais non, pas le vélo, pas le skateboard plutôt. Vous commencez tous à me gonfler, j'en ai marre, non de Dieu. Elle veut se battre, tu veux te battre? Eh hey. Elle va essayer de me donner un coup de genou. C'est une blague. Moi j'ai rien fait, je fais juste des tags. Laissez-moi faire des tags, non de Dieu. Oh. Bon, à chaque fois ça sert juste à faire... Mais j'ai plus de vie. Nourriture, comment je fais déjà? Je crois qu'il y avait une pomme juste là. Ça serait intéressant que je puisse la manger. Comment on la mange? Mange! Non. Oh punaise, il l'a fait tomber. Ok, c'est pas la peine parce que là je risque forcément
Enfin, rapidement de mourir. Donc vélo, tu restes là, tu fais de mal à personne. Par contre, il n'y avait pas le son de la bonbonne. Ok. Ok. Alors, de la nourriture. Puisqu'il aime bien manger de la nourriture qu'il trouve par terre. Mais j'ai même pas regardé c'est quoi qui taguait en fait. Allez. Allez, plus vite. I'm good. I'm good. Le pauvre bâtiment, il est rempli de... Ah, j'en ai juste 5 à faire, ça va. Ok. Parfait. Et mon vélo maintenant. Mon vélo. Somebody is gonna get their freaking lights knocked out. Oh, moins 25 des blues en noir. Je comprends pourquoi ils en avaient après moi dans la rue. Alors, c'est marrant, ils étaient juste en train de regarder les tags et ils sont plus là. Tant que vous avez de la peinture, vous pouvez faire des tags sur les cibles. Ok. Ok. Ça, on s'en fiche. Attendez, je vais juste... Est-ce que je peux la voir en roulant? Non. Ah non, 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 non. Oh, punaise. Je vais crever. Là, ce que j'ai récupéré, je vais le perdre en me battant contre lui. Heureusement qu'ils sont pas très forts. Sauf toi, t'as l'air plus balèze que les autres. Hein. Tu es résistant, petit Bobby. Mais pas. Tiens dans tes fesses, ce coup de poing. C'est trop fort, ils sont partis, ils en avaient pas après moi la police. Je me suis dit, c'est bon, je vais encore pas avoir de chance. Alors, c'est quoi le cours? Photographie. Oh, ok, bon, c'est pas grave, photographie. J'arrive trop tard. Et je vois que notre cours voleur de BD est de retour. Donc on va y aller. Je manque tous les cours nouveaux en fait. Bon, cette fois-ci, je sélectionne. Attendez, pétard, comment je fais pour les pétards? Ok, c'est une fois à gauche, je l'ai directement. Ça, c'est quoi? C'est un sac de billes. Par contre, j'ai plus de vie. Non, pousse-toi le métier. On va voir si je peux passer à cinématique, je sais plus. Normalement, je crois qu'on peut. Oui, c'est bon. Et là, je sélectionne directement les pétards. Et toi? Non, pétard, j'ai dit. Oh, c'est incroyable. Je sens que ça va encore me gonfler. Allez, en plus, je peux faire un tag juste là. Je sens qu'il va me gonfler, lui. Je l'avais dit de toute manière tout à l'heure qu'on allait la recommencer plusieurs fois. Tiens. Ah, c'est bon. Ah, regardez. Oh, punaise, je me suis lancé sur moi-même. Je comprends pas. Il est plus là, le bonhomme, maintenant. Il est où? D'accord, il a disparu. Au moins, j'ai ABD. La mission est finie. Oh, oh, c'est... Mais pourquoi... Ah, j'ai loqué un ennemi. J'avais jamais fait attention. Mais laissez-moi regarder. C'est horrible, cette caméra. J'avais jamais fait attention à la petite station essence. Mais... $10 normalement il nous avait dit. Ah, $30. Il avait cru lire $10. Il y a encore le monsieur avec le chapeau derrière. Ça serait bien que je récupère un petit peu de vie parce que là je suis en train de mourir. On va aller au supermarché, je fais juste un petit tag. Alors, ah, ça c'est différent. Laissez-moi faire mon tag, monsieur. Et voilà. Ta-da. Je vais m'acheter 2-3 trucs parce que là j'ai pas envie de mourir. Punaise, à chaque fois il y a un mec qui se met devant. C'est bizarre, mais ton magasin il ressemble à un magasin dans lequel j'étais tout à l'heure. Ok, y a pas grand chose. On va acheter des sodas. Et je les utilise comment les sodas? Ah d'accord, en fait il les a tous bu directement. Ok. C'était pas mal que j'en achète autant puisqu'il peut pas y mettre dans sa poche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Coiffeur? Non, c'est pas la peine. Bon, bah, je crois qu'on a déjà beaucoup avancé au niveau des cours. On a beaucoup avancé. Au niveau des cours, justement, pas au niveau des cours. Je regarde un petit peu l'architecture. Qu'est-ce qu'on fait alors? Défi, des blouses en noir. Ah, c'est où ça? Ah, c'est en rouge. La course de Lola. On fait quoi? Un coup de main. 5. On va voir ça, on va voir le clochard. Je sais pas pourquoi pourquoi 5. Peut-être qu'il va prendre une nouvelle prise encore. J'ai pas trop regardé si on avait des nouveaux transistors. Je sais plus, vu que je sais qu'il y a un moment on essayait d'aller le voir, mais il était plus là, il était parti en vacances. Alors, on va voir ça tout de suite. Là, je peux vraiment faire des tags. Oh, partout. Oh, le stalum de fou. Il y a encore les corbeaux.
Mais voilà. Alors, qu'est-ce que tu me proposes, petit Bobby? Coup de main numéro 5. Ah si, j'avais un autre transistor dans mes fesses. Alors apprends-moi, je vais apprendre les choses. Yeah, ah celui-là il était vraiment sympa. Et ça fait quoi déjà? Je me souviens plus, je crois qu'on avait appris un nouveau coup. Ah oui, justement, si on continue à appuyer sur froid, on avait une suite d'enchaînement que j'ai pas fait depuis tout à l'heure, j'avais oublié. Et ce coup de pied il est assez redoutable. C'est fini. Okay, je sais même pas si j'en avais encore un autre, c'est possible. Je sais que j'en avais plein d'avance. Let's go. Ça va faire deux journées de jeu qu'on fait déjà. Alors on fait laquelle des deux? On verra bien laquelle est la plus proche. La course de Lola ou l'autre c'était, je sais plus, un truc avec le défi des blousons noirs. On verra bien. Ce qui est bizarre c'est que les voitures elles ont pas de fort. Je sais plus, peut-être qu'elles ont le nom. En fait, le problème c'est que j'ai un reflet sur mon écran avec le soleil de dehors. C'est pour ça que je vois rien en fait, à chaque fois. Laissez-moi me trouver des excuses. Ouais, je me mets comme ça. Là, comme ça, je vois bien. Par contre, c'est pas confortable. Au moins, je vois mieux. Alors. Je pense qu'on fait une mission. Après, on va aller faire. Il y a des tags même en haut. On va aller faire quelques cours, peut-être, parce que on en a pas fait énormément. Tiens, on va ramasser ça. Et il vient de taguer par-dessus. Oh, punaise. On va faire celle-ci. J'ai peur que si je fais... Oh, punaise. Celle-là. L'autre avec Lola va disparaître. On verra bien. Alors, si un pion vous voit... War footage and natural disasters doesn't do it for you? Nice place you guys have found. I think I'll take it. What do you want, Hopkins? I want you gone. Get lost. Je crois qu'il... Il est pas content, Hopkins. On va juste voir tout cela, l'enchaînement. Vous avez vu? Et... Headshot! 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 Ouh, ouh, il est stylé ton coup de pied. Moi, je fais des balayettes et après, je fais des coups de pied dans la tête. Oula! 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 Aïe. Arrêtez de faire des cris, idiot. Hypercute! Hypercute, pas hypercute. J'arrête de dire ça. Aïe. Ah oui, la petite canette. Je me protège jamais. Tiens. Et... Headshot. Toi aussi. Ah. Allez, tiens, pour la peine. Finisher. Ah, c'est cool, je peux. Il y a même des toilettes des femmes, des toilettes d'hommes. Ok, vous êtes nombreux. Oh, mais ce coup de pied. Ouais, ça fait penser au jeu de catch, le coup de pied qu'il vient de faire. Je crois que c'était. Aïe. C'était l'Undertaker qui fait des coups de pied comme ça. Eh, mais. On est mort, hein. Vous commencez à me gonfler, nom de Dieu. Attendez, attendez. Pousse. 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 Comme ça, ça va aller plus vite. Ah ah. Tu t'y attendais pas, celle-là, hein? Ah non, j'ai pas ramassé la canette. Le club des blousons noirs est à vous. Je me souvenais pas qu'on avait autant de lieux dans le jeu, en fait. Ah, c'est cool. Yeah. Ah si, ça me dit quelque chose, ce jeu. On va changer de radio. Non, pas dormir. On va essayer, vite fait. Après, on fera dodo et on ira en cours. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, lancez votre... Ok, pour faire tomber des bananes. Plus vous en mangez, plus vous faites vos besoins. Ok, évitez les singes. Faites tomber des bananes pour avoir... Ok. Bananes, faites-les tomber pour avoir... Ok. Très logique, en même temps, j'ai envie de dire... Araignées, évitez de les toucher. C'est une araignée ou c'est une, on dirait une cacahuète avec des pattes? Ok, lancez Mr. Honky, pour ceux qui connaissent. Ok. Ok, ça a l'air palpitant. Faut que je fasse tomber. Oh, attends, je peux en lancer. Oh mince, j'en ai... Ok, j'en avais pas à l'infini, j'ai fait l'andouille. Ah, c'est bon. Tiens.
Bon, les araignées, en même temps, je peux les éviter. Ah non. Ah, ah ça, c'était pas prévu, ça. Ok, mais fallait me le dire en même temps. Je savais pas que les araignées, une fois au sol, elles faisaient ça. Ok, ça risque de... Bon, ça va, j'ai plein de... Ok, bon, c'est pas la peine. C'était vraiment pour essayer. On va récupérer un maximum de bananes. Peut-être qu'elles disparaissent en même temps, à un moment, une fois qu'elles sont au sol. C'est vraiment pourri, quand même. Nous avons à faire un jeu extrêmement pourri, les amis. Je parle pas, je me concentre. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas joué à ce style de jeu, des jeux old school. C'est vrai que je joue plus trop aux jeux old school maintenant. J'ai tellement de jeux que j'aimerais vous présenter à chaque fois récents que les jeux old school. J'ai plus tellement le... Oh mince, je les ai pas touchés. Oh, j'ai pas dû faire... Peut-être qu'elles disparaissent. Disparaît. Je peux pas sauter. Qu'est-ce que... Non. Disparaît. Ah, oh, mais l'autre, ça va être pareil à droite. Je crois qu'elle va disparaître aussi. Ah ouais, mais c'est un cercle vicieux parce que... Ah non, c'est bon. Bon, je vais peut-être arrêter parce que là... Parce que là, je pense que c'est pas marrant pour vous. Je crois qu'en fait, je préfère faire des longues vidéos comme ça. J'ai vraiment plus le temps de vous parler et de... Même si je dis pas grand-chose d'intéressant. Allez, allez, allez! Game over! Game over, game! Jim! J'ai même pas battu de record. Ok, il est quelle heure? Donc on avait quoi? La course de Lola. Bon, on va se réserver pour demain. On va voir un petit peu. Elle est nulle, votre télé. Qu'est-ce que c'est ici? D'accord. Ici, nous avons... Attention, attention, mesdames et messieurs, nous avons un comptoir magique. Avec aucune entrée pour y aller. Le comptoir où pour y aller, vous êtes obligé d'escalader. Ok, je savais pas qu'il cassait les bouteilles avec ses pieds. Plutôt balèze, Jimmy. Tiens. En même temps, attention, mesdames et... Il y a des gens... Il y avait un mec de l'autre côté. Ah non, c'est moi dans le reflet du miroir. C'est une blague? Ah, je savais pas. Ok, je pensais que... Ah oh, d'accord, c'est nous. Attention, mesdames et messieurs. Après... Ah, il y a une flamme aussi dans le lance-patate. Moi, je vais continuer. Après, le bar où nous ne pouvons pas y aller. Le distributeur de canettes chez nous payant. On aura tout vu. Imaginez si on avait des distributeurs de nourriture chez nous et qu'on était obligé de payer. Enfin, en même temps, vous me direz, quand on achète des boissons ou n'importe quoi, c'est sûr qu'on paye. Mais d'avoir carrément le distributeur, après vous avez le mec qui vient chez vous, il fait « Bonjour, je vais remplir le distributeur de canettes. » Ah, vous avez bu encore tout le coca. Vous n'avez pas bu les autres. Enfin, bref. Alors, sauvegarde. On va se faire... Une petite mission, on va aller en cours. Et je suis même chaud pour continuer encore pas mal de temps. Je suis motivé. Donc autant en profiter. Et en plus j'ai mon super vélo. On fait la mission, on attend de voir quelle course c'est. On va faire la mission. Donc vu qu'on est juste à côté, ça évite qu'on fasse plein de... Je crois qu'il y a un truc là-bas à ramasser. Ah non, on va faire la mission. Alors, course de Lola. Of course I love you, Johnny. No, you don't. Love is complicated. That didn't seem complicated between you and that Gordo kid. I'm gonna kill him. Johnny, please. We've been over that. He's sweet, but it was so innocent. Get off. Oh, I love it when you get angry, Johnny. I really do. You're so bestial. Hey, Jimmy. Hey, what are you doing here? Looking for you, Johnny. At Lola's house? Yeah. Be nice to each other. You know what I like about you two. You're both so straightforward, so quick to judge, so fast. Ain't no one fast like me. Really? So you could beat Jimmy in a race? Definitely. I heard he was pretty fast. This little twerp? Give me a break. Oh, I think we've got a little challenge. I just love challenges. They make me so excited. Elle est quand même horrible. Enfin, elle est surtout agaçante. Hein.
Nom de Dieu, j'ai presque envie de perdre la course comme ça. Je la laisse à l'autre. La bagarre avec le nez, Rune 3. On a tous le même vélo, c'est nul. Moi je veux un vélo personnalisé. Ok. C'est lequel l'autre? Il y en a deux pareils. Comment voulez-vous chasse lequel est qui? Alors. Ok. Ça on l'a fait tout à l'heure en sens inverse en vélo. Enfin quand j'étais à l'arrière du vélo. Et ici il y a les gens qui tournent leurs vêtements. Et je fais une petite visite guideuse. Oh, on va ramasser ça. Ça c'est... Et on revient en force. C'est ça que j'avais mis tout à l'heure. Petit saut périlleux pour rigoler ou pas? Non. Oh punaise. Tiens. Comment on donne des coups? Ah oh, punaise, je sais plus comment. On donne des coups. Ben j'ai fait un gros détour. Comment on donne des coups déjà? C'est comme ça, il fallait que je fasse ça depuis le début. Tiens, tu sais, ça va pas se passer comme ça. Tu commences à me gonfler toi. Va-t'en. Je vais ralentir et je vais lui en mettre un. Je ralentis, il me double pas. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris, il y a des wagons qui ont reculé, je sais pas si vous avez vu. Oh, qu'est-ce que c'est que ce truc tout nul? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des wagons fantômes qui arrivent avec aucun pilote dedans. Oh punaise. C'est vraiment une blague. Je vais gagner. Il reste combien de... Je vois pas combien il en reste. Oh non. Mais c'est quoi cet angle de caméra moisi? On est où ici? Ça me dit rien du tout ça. Et la musique revient. C'est pas fini. Je veux la musique. Donnez-moi la musique. Oh mince. Oh non. 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 Non, j'allais y arriver. Allez, mais remonte dessus. Oh punaise. Ça y est, je vais perdre. Oh, j'y crois pas. Je suis sûr que ça va être la ligne d'arrivée en plus. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour... Faut que j'arrive. Je suis balèze. Balèze. Non. Arrêtez de me... Non, oui. Le raccourci à la Super Mario. Je suis deuxième. Ah, c'est lui le premier. Attendez, c'est pas possible. Je vais y arriver. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, lui? Ils sont en train de tricher. Je suis redevenu premier, j'y crois pas. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est pas de piton. Jusqu'à la dernière seconde, on va y croire. J'ai plus de pouce, les amis. Oh de Dieu, j'ai trop mal à la main. Ah ça y est, je crois qu'ils ont débloqué le raccourci à l'arrière de l'école. C'est ce dont nous avions besoin. Ah, punaise, j'ai mal à la main. J'ai plus de pouce. Mais je crois qu'il y a un chemin. J'ai plus de pouce, il y a le cours qui a commencé, je sais pas quelle heure il est. Avance, nom de Dieu. Allez. Oh là 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 là. Oh nous, qu'est-ce qu'il fait? Tiens. Oh non, mais il est en train de me doubler sur la ligne d'arrivée. Oh non, non, c'est de la triche. Heureusement qu'il est nul avec ses armes, lui. Il fait carrément tomber des armes, on aura tout vu. Wouhou, je crois que je perds du temps en faisant ça. Mais en plus, ça sert à rien d'essayer de les frapper. Oh, c'est la ligne d'arrivée. Faites que je sois premier. J'ai trop mal à la main. Oui, Nintendo, oui. Oh, je veux ma maman. J'ai trop mal à la main, nom de Dieu. More bike talk? I'll meet you guys later. You're amazing, you know that? N'importe quoi. Elle était avec un autre garçon et maintenant elle est avec nous et l'autre il s'en fout. Wasn't that great? I'm good. Ok, c'est dans le jeu que le chien il aboie. Absentéisme, qu'est-ce que c'est que le cours? C'est pas une grande perte, hein, je dirais. Oh non, viens le chien. Commence pas à me gonfler. Moi je me mets comme ça, je serais mieux. Oh non, j'en ai marre du vélo, là. J'ai vraiment trop mal. Bon, il y a quoi comme cours? Les taudis et les taudis. Ok, c'est la route qu'on a emprunté tout à l'heure. Oh, il y a un saut. Alors, on est bien. Il est de retour le chien. C'est quoi les bouquins déjà? Les bouquins, je crois que c'est pour sauvegarder. Oui, c'est l'endroit qu'on a récupéré. Il y a plein de trucs à ramasser ici. Ouais, c'est quoi ça derrière? Non, ne me dis pas qu'il y a encore ce fichu chien. Il recule. Ok, je sais pas ce qu'il lui a eu. Ce qui lui est arrivé. On va aller faire la mission les taudis. On verra ensuite. J'avais dit qu'on ferait des cours, mais les cours, je ne sais pas trop ce que j'avais envie de faire. Les taudis.
Alors, qu'est-ce que c'est? Hey, good looking. What's up? No. Oh, you're so angry. But I think you've got a softer side. Haven't you caused enough trouble? That's not fair. I'm a nice girl. I'm nice to everyone. Now, everyone hates me. Look, I'm sorry. Well, okay. But now Johnny and his boys won't even speak to me. C'est normal. Boys can get really jealous when they find out you've been kissing another boy. It wasn't like that. I'm not like that. Okay. But I left all my things in the abandoned tenements where they hang out. My address book, my keys, my perfume, my lipstick, even my laundry. Everything. Now I've got nothing. I don't have much money. That's too bad. Maybe you could get them back for me? You want me to steal your stuff back from a bloodthirsty mob of angry greaseballs? I'd be very grateful, Jimmy. Very grateful. Nom de Dieu. Ah, aujourd'hui, c'est la journée spéciale blouson noir, n'est-ce pas? Alors, regarde pas mon vélo, le Père Noël. C'est mon vélo. Ah, c'est là-bas qu'il faut que j'aille. Ok. Ok. Ah bah, j'avais pas reconnu les lieux. J'aurais dû prendre le raccourci. Alors. Oh, il est bizarre, ce bâtiment. Pardon. Excusez-moi, monsieur. J'ai fait exprès. Aïe. Pardon, Père Noël encore. Il y a plein de Père Noël ici, dis donc. Alors. Ok. J'ai lâché un peu trop tard le bouton. Et nous arrivons à destination. C'est bon, ils en ont pas après moi. Ah, si, ils en ont après moi, je crois. Alors, c'est quoi un élastique? Yeah. Oh, on en a déjà 35. Oh, un transistor. Oula. Alors, récupérer les affaires de Lola. Oh, je me rappelle de cette mission. Trouver un moyen d'abattre les murs. Comment ils veulent que j'abatte des murs? Un moyen d'abattre des murs. Bah, je pense qu'il y a... C'est pas ça que je vais faire. Hein? Pour abattre les murs. Je pense que ça, c'est la meilleure solution. D'accord, c'est mes revenus dans la tronche. Alors... Hop là. Ok. Trouve un moyen d'abattre les murs. Avec quoi ils veulent que je fasse ça? Le truc c'est que je vois rien là, c'est trop sombre. Donc je pense que faut d'abord que j'aille. Ok. Une nouvelle musique. Je veux la planche. Yeah. Maintenant c'est moi le chef. Alors, trouver les moyens d'abattre les murs. En fait je pense qu'il fallait peut-être pas que je le casse. Sorry. Amron. Donne-moi la boisson. Ah bah non, je peux pas. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est ses affaires. Agenda de Lola. Ok. C'est un peu... le désordre ici, quand même. Hein? Alors... Où est-ce qu'on va aller? Ici. Je sais que t'es là. Je vois pas. Je préfère... Ah non. Ok, c'est toilette. D'accord. Ok. Pas très propre non plus. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, ici, il y a rien. Je me promène au cas où pour ramasser 2-3 trucs. Donc ça c'est l'autre mur qu'on avait tout à l'heure. Je fais toutes les pièces même si après il y a un étage. Ah, ils sont deux. Oh non non non. Ils ont des lance-pierres. Ils sont balèzes aussi. Tiens, vilain. Vilain. T'as été vilain le monsieur. Et ouhou. Non. Non. Aïe. Respecte mon autorité. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici? Normalement, je crois que les chaises, on peut les prendre pour se battre contre les gens. Yeah. Alors. Ok. Bon. Je déclare le sous-sol, enfin, le rez-de-chaussée fait. Maintenant, place à l'étage. Je crois qu'il y avait... Il y avait une croix, attendez. Il y a une croix, mais... Ah, c'est le fait que je peux pas casser encore le mur. Je sais pas ce qu'il faut pour casser le mur. Peut-être que je pourrais après, pour l'instant, là, je peux pas. Et je me rappelle pas. Ok. Bon, on va les laisser là, ils font pas... Ouh, il y avait une boulette de papier qui arrivait juste à côté. Vilain la table! Il n'y a rien ici. Il n'y a rien... Bon, on va passer par là. Alors, trouver un moyen... Oh, mais ça, je l'ai déjà lu. Hé!
D'accord, il est parti, mais je pense qu'il va revenir vu qu'il a dit venez m'aider. Je sais toujours pas comment abattre les murs. Alors, oh, on est en extérieur maintenant. Ok. Ok, c'est pas très beau. On se croirait dans Resident Evil avec une vue comme... Aïe. Comme ça. Non. Vite, 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 mon bâton. Mais non, pourquoi tu veux pas... Ah, tu veux pas ramasser le bâton de Jimmy? Je te déteste. Vilain Jimmy. Le truc, c'est que je sais même pas si on peut se protéger. Je me rappelle pas s'il nous l'avait dit. Oh, ça va me gonfler. Allez, tourne-toi la caméra, elle est vraiment trop lente. Et... headshot! Il n'y avait pas autre chose à récupérer là-bas? Ah non, c'était juste ma planche de bois. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Bon, on va reprendre notre point. Allez, ça c'est parfait. Aïe, aïe! Est-ce que je peux me protéger en étant comme ça là? Ouais, là je suis protégé. Mais je crois pas que je peux contrer. Que je puisse contrer. C'est horrible ces angles de cap. Mira, nom de Dieu. On avait examiné toute l'autre pièce, je sais même plus du coup. Je crois qu'on avait tout examiné. Je vais retourner quand même parce que je suis toqué. D'accord. Allez, donc ici je suis de l'autre côté. D'accord. Je vais juste revoir là-bas. Faut que je trouve un moyen d'abattre les murs parce que là je sais toujours pas avec quoi je peux le faire. Mais en même temps, ça peut très bien être logique. Oh, on avait tout regardé, c'est bon. Peut-être le caddie pour abattre le mur. Non, je pense pas. Qu'est-ce que j'ai en ma possession qui puisse casser un mur? Je sais pas. Je ne sais pas. Alors là, ici, normalement, il y avait les deux autres qui visaient, mais je pense qu'on les a tués. Donc ici, il y avait quoi? Le rouge à lèvres? Yeah, rouge à lèvres. Je vais peut-être reprendre... Hop, on va prendre... Ok. Je voulais prendre une arme, mais bon, je crois que j'ai vu des cartons ici. Non, ça, c'est pas ça. Il n'y a pas de planche. J'aurais bien pris un petit truc. Alors. Ok. Yeah, en plus, ils ont des lance-pierres. Et. Ils ont tous des lance-pierres. Heureusement que je suis un pro. Et. Adios, amigos. Ok, donc j'ai pas besoin de canette, je me suis pas fait toucher. Ici, il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien du tout. Ici, il y a quoi? Il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien du tout. Mais je crois que c'est un gros Bobby qui vient et qui casse tout après. Je suis... Ah mince, oh, j'ai pas examiné partout. Ah bah oui, c'est lui le gros Bobby. D'accord, je sais pas si je dois l'utiliser pour qu'il casse les murs ou alors je pique son marteau. Oh punaise! Ah, il faut que je le batte. Et là, on a une grande pièce, d'accord. Réfléchis. Ouais, c'est bon, il devrait pas être trop dur. Enfin, j'aurais réussi à le loquer. Ouais, ça va aller. Heureusement, j'ai ça. Je suis bloqué. Adieu! Et. Bye bye! Alors, prenez le marteau. Il est où le marteau? Non, c'est pas ça le marteau. Ah, ça c'est le marteau. Utilisez le marteau de Norton. Ok, c'est parfait. Je regarde ici puisque je n'ai toujours pas allé. Rien du tout. D'ailleurs, on sait même pas comment on a fait pour entrer dans cette pièce du coup. Hein. Ici, rien. C'est surtout que je regarde pour s'il y a des élastiques ou pas, comme je vous l'ai dit. Ici, il n'y a rien du tout. On est où là, là? D'accord, on est arrivé par là. Ici, j'avais regardé. Ici, je n'avais pas regardé dans cette pièce. Ok, il n'y a rien du tout. Rien du tout. Ça, je peux pas casser. Bon, retour au sous-sol. Il m'a même pas touché une seule fois le... Bah, c'est sûr qu'avec des armes à distance, c'était un petit peu plus simple. Donc, j'ai juste à casser. Yeah. Qu'est-ce que c'est que ça? Les clés. Ok, parfait. On va ressortir par là, ça ira plus vite. Hein. Ok. C'est une blague? Je peux pas casser celui-là? Ok. Bon, allez savoir pourquoi il y a des murs que vous pouvez casser et d'autres non.
Donc, du coup, quoi que j'aurais pu sauter directement, ça aurait été plus vite en bas. Là, sérieux, j'ai pas compris pourquoi on peut pas casser celui-là. C'est bizarre. Ok. Voici la logique de Bully. On pouvait casser un mur d'un côté, mais pas de l'autre. Ok. Et voilà. Quitter le toddy, bouteille de parfum. Et la sortie. Il y avait un start. La sortie est juste. Juste ici. On aurait pu sortir par la porte quand même. Et après, on va aller en cours et je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. Et j'espère que ça vous aura plu, cette longue vidéo. Alors, rapporter ces affaires à Lola. Ah, ça doit toujours être le cours de géographie. Ah, ça va, on n'a pas manqué l'autre cours. Ok, c'est parfait. C'est parfait. Ça dure longtemps quand même, la période des neiges. Je me souvenais pas que c'était aussi long. Ok, oh. Et le avant. Non, ça marche pas. Alors, petit raccourci à Super Mario. Et... Ok, c'est en dessous. Faut que je refasse le tour. D'accord, j'ai fait tout ça pour rien. Pourquoi pas. J'ai fait tout ça pour rien, il n'y a pas de petit chemin. Oh, je dois faire le grand tour. Ok. Et on va peut-être slider un petit peu. Yeah, la classe. Alors... Normalement, c'est juste ici. Ouh, on aura vraiment bien avancé aujourd'hui. Thanks, honey. You're great. Et encore un bisou après un échangeage de cartons de fesse à fesse. Et les blousons noirs, ils vont vraiment me détester. Une mission ici, la baston. Ah, je crois que d'accord. On fera ça la prochaine fois. On va s'occuper d'aller. Ah, le scooter. Et on va le prendre, le scooter. Parce que là, on a bien travaillé. Ah, non, 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 non. Le scooter, tout meilleur. Ah non, il a pas disparu. Excellent. Excellent. Un petit peu de scooter, moi je veux. Pour finir cette vidéo en beauté. Donne-moi ça. Mais prends le scooter. Ah, oh punaise. Vous n'avez pas de casque, si la police vous voit, vous allez avoir des ennuis. Je sais plus comment on fait pour avoir le casque déjà. Faut peut-être juste descendre et remonter doucement. Non, je sais plus. Non, on va aller. Qu'est-ce qu'on va aller faire? Klaxonner. Le mec super embêtant. Tiens, prends ça. Ça doit pas être. Déjà en vélo, c'est pas évident de donner des coups de poing, alors en scooter. Il tourne plus! Il tournait plus. On va aller faire les cours. Après, je vais sauvegarder. Non, on va d'abord. Alors, qu'est-ce que c'est que le cours? Mathématiques. Bon, je vais sûrement me ridiculiser. Quoi que la dernière fois en mathématiques, j'ai plutôt réussi. Hop là. On va faire cours de maths. Et après, je sauvegarde. Et ça sera tout pour aujourd'hui. On aura bien avancé, je suis content. J'ai peut-être pas beaucoup parlé non plus. C'est vrai que j'étais à fond dans le jeu. Alors, cours de maths. Let's go. Mathématiques de jeu. Je sais même plus ce que ça nous apportait, ça. On verra bien. Yes, yes. Alors. That's enough chatter, people. Eyes on the board. Il y a personne qui parle, mais bon. Bon, on se retrouve. J'ai sauté le cours de maths, parce que c'est vrai que j'ai fait pas mal de bonnes réponses et après j'ai fait des erreurs plutôt pètes. Et donc du coup j'ai pas envie de me ridiculiser, alors j'enlèverai ça au montage. J'en ai rien à faire, j'ai fait qu'est-ce que je veux d'abord. On va dire que c'était la fin de vidéo et j'étais pas en forme. Donc du coup j'ai... Ah, le scooter, est-ce que si je l'amène là-bas... J'ai fait 2-3 fausses réponses. J'ai fait 2 fausses réponses, après j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Je me suis dit, bon, c'est pas la peine que je continue, je me suis fait tellement ridiculiser. C'est pas la peine, je vais passer ça au montage. Du coup, j'ai même pas répondu aux autres questions. Il y avait un truc, j'ai...
C'était quoi? Quel était le plus rapide? Il y avait une cabine téléphonique, un avion et une baleine. Et moi j'ai répondu à cabine téléphonique parce que je me suis dit que l'électricité ça allait plus vite que... Et donc du coup je me suis trompé. Et donc du coup j'ai enlevé ça au montage. 34%. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour cet épisode 14. J'espère qu'il vous aura plu. Moi je vous dis à plus tard tout le monde. Et on a quoi comme mission après? On a juste la baston. Je crois que c'est une mission assez importante du jeu. Et moi je vous dis à plus tard tout le monde. Ciao. Salut.